5h du matin. Le jour se lève à peine sur la réserve indienne de Moapa Valley. Nous partons marcher lentement sur les hauteurs des dunes arides dans l'espoir d'apercevoir les premiers rayons du soleil venant embraser l'immensité des étendues désertiques aux couleurs d'un feu ardent, révélant ainsi pourquoi les premières tribus qui peuplaient autrefois cet endroit lui ont donné le nom de Valley of Fire. Alors ouais, je sais, ça doit en choquer sûrement plus d'un de me voir debout de si bon matin. C'est pas courant, mais franchement, se retrouver seul au monde pour contempler les premiers rayons du soleil qui venaient illuminer le désert pendant que nous arpentions les dunes, c'était juste incroyable. Mon seul regret, c'est que nous n'avions pas beaucoup de temps devant nous et qu'il fallait faire vite pour capturer l'ambiance et la beauté du paysage avant de partir retrouver mes parents pour traverser la vallée, même si mon plus grand souhait aurait été que ces instants durent une éternité. Du coup, on est parti en éclaireur à l'entrée du parc afin d'avoir un avant-goût de ce qu'il nous attendait quand nous reviendrons ensemble pour continuer notre journée. On en a aussi profité pour capturer le temps et immortaliser à l'aide de quelques clichés ces précieux instants de calme et de douceur, sans savoir qu'à notre retour, l'ambiance serait un poil différente. Mais ça, je vous le laisse découvrir par vous-même. Salut les gars, bon, et ben réveil à Moapa Valley un petit peu compliqué. On est en train d'attendre ma mère qui a le Covid et qui est partie au médecin. On est aux États-Unis, on espère que ça va pas nous coûter trop cher, même si on sait qu'on va y perdre la moitié d'un bras. Voilà, bon, en attendant, il fait pas trop mauvais, hein. Il est 9h du matin, on est déjà à 37-38 degrés. Et voilà, un petit peu compliqué quand même, mais bon, on fait de belles images. On fait un beau séjour, un beau voyage. On espère que ça va aller quand même et que tout va s'arranger. Allez, bisous. En attendant que ma mère sorte de sa consultation, j'en profite pour faire bosser ma pin-up favorite. J'ai peut-être trop vu de clips à l'américaine, mais de la voir retirer les moustiques morts de mon pare-brise, je dois dire que ça me fait quelque chose. Bon alors, il t'a dit quoi le docteur? Alors je suis contente hein, d'être allée voir le docteur parce que ce matin ça n'allait pas bien du tout. Ça n'allait pas bien du tout? Non, j'avais mon nez très pris et je mouchais très vilain. Et donc on est allé voir le docteur, un gentil docteur et beau docteur.
très cher docteur. Il était plus beau que papa. Oh, la question piège. Ah, je pense qu'il était bel homme. C'était un bon médicament. Et il vous a coûté combien, ce docteur ? $162. Pour la consultation. Bon, bah, il pouvait être beau à ce prix-là. Voilà, et donc voilà, tout s'est bien passé. Il m'a dit que dans 3 jours, je devrais pouvoir profiter à nouveau de mon beau voyage. Ah, voilà. Bon, et qu'est-ce que t'en penses pour l'instant du voyage ? Il n'est pas terrible pour toi. Hein. Ben, c'est chaud, hein. J'attends de retourner dans des zones tempérées. À très bientôt aussi, si Dieu le veut. Après avoir récupéré les cachets pour la madré, on part à l'assaut du parc. Et autant vous dire, il est haut en couleur. La teinte des roches passe du jaune au rouge, du rouge à l'orange, avec des formes toutes plus incroyables les unes que les autres, à l'image du célèbre gardien du parc, The Elephant Rock. Le seul bémol ici, c'est la chaleur. Entre les 44 degrés à l'ombre et ma mère qui pense qu'elle va mourir si la clim n'est pas à fond, je vous raconte pas les écarts de température à chaque fois qu'on sort pour visiter le parc. Après avoir arpenté les routes de Valley of Fire, qui au passage étaient magnifiques, on se prépare pour partir en direction de l'Utah et du célèbre Bryce Canyon. 4 heures de route et 370 km nous séparent du prochain point de chute, et j'espère que nous arriverons à temps pour admirer le coucher du soleil sur les fameuses colonnes de grès rouge qui ont rendu ce parc si célèbre. Le chemin est encore long avant d'arriver, et la route est un peu à l'image des femmes, aussi belle que fatigante. Et en parlant de femmes, il y en a une qui derrière est ravie de quitter les grosses chaleurs du désert, pour enfin retrouver un climat plus tempéré, avec des températures beaucoup plus clémentes. C'est ainsi que nous entamons ce premier trajet dans notre long périple pour rejoindre Yellowstone. 1900 km de route pour 6 jours de voyage intense, à la découverte des trésors cachés que recèle l'Amérique profonde. Canyon. C'est le genre d'endroit qui rend un voyage magique, intemporel et d'une beauté remarquable, façonné par les intempéries et l'érosion. Ici, le temps n'a plus d'importance. Seul compte la grandeur du paysage et toute l'ambiance qui l'accompagne. Dans cet endroit où la nature a travaillé pendant des millions d'années pour nous offrir cet incroyable spectacle. She found a space.
et c'est la tête pleine d'images que nous terminons notre journée autour d'un feu de camp, entouré de personnes comme nous, venues profiter de cet instant pour faire griller quelques chamallows et partager leurs expériences de voyage avant de sombrer petit à petit dans la douceur de l'obscurité. Le lendemain, on s'est réveillé au Bryce Pioneer Village, où la verdure et l'herbe fraîche ont remplacé les dunes désertiques de la vallée de feu. Les températures de la nuit furent particulièrement douces, et avec Karine, on a profité du soleil qui se levait sur Bryce Canyon pour partir seul en escapade pendant que tout le monde dormait et revenir au camp avec un bon petit déj pour bien débuter la journée avant de partir à la visite du parc en plein jour et de mettre les voiles sur notre prochaine destination. Il est midi quand nous quittons le magnifique parc de Bryce Canyon et mon père est un poil énervé. En même temps, c'est normal. Nous avons réservé une entrée à 14h30 pour visiter Antelope Canyon, non loin de la ville de Page dans l'Arizona, et il est vrai que j'ai pris beaucoup, beaucoup de temps pour réaliser les plans séquences de chaque point de vue que nous avons visité. Il nous reste encore 205 km à parcourir pour un total de 2h15 de trajet, ce qui nous laisse une petite marge de 15 minutes pour être à l'heure. Du coup, à partir de maintenant, interdiction formelle de descendre de la voiture pour prendre des photos. Je vais devoir me contenter de filmer le trajet et les paysages qui nous entourent, parce qu'apparemment, je peux plus compter sur mes sujets. Ainsi, nous retrouvons les paysages désertiques du sud de l'Utah et les températures qui vont avec. Pendant que les images de la route défilent, je vais vous parler un petit peu d'Antelope Canyon, notre prochain point d'arrêt. Il se situe dans le nord de l'Arizona, dans la réserve indienne des Navajo. C'est d'ailleurs seulement en leur compagnie que vous pouvez effectuer la visite du site. En été, à l'heure où le soleil est à son zénith, des rayons lumineux pénètrent le canyon et viennent se réfléchir sur les parois de grès rouge
offrant aux visiteurs un spectacle hypnotisant. Les pluies diluviennes qui depuis des centaines d'années creusèrent des sillons dans les parois rocheuses d'une terre friable façonnèrent sa géographie unique, ce qui a rendu cet endroit si spécial. Pour les Navajos, Antelope Canyon est un don de Mère Nature, une expérience spirituelle aussi intrigante que fascinante, et je la considère personnellement comme un événement solennel qui mérite tout notre respect. Après avoir été envoûté par la beauté troublante d'Antelope Canyon, nous terminons la journée par un merveilleux coucher de soleil sur l'emblématique Canyon du Fer à Cheval. Les territoires Navajo regorgent de trésors et Horseshoe Bend en fait partie. Cette merveille de la nature impressionne autant par sa beauté et ses couleurs que par sa hauteur vertigineuse. De l'atmosphère présente, se dégage une sensation de respect, une ode à la nature et aux esprits qui veillent sur ce lieu particulièrement remarquable. Cette magnifique journée touche bientôt à sa fin et la météo n'en a pas fini avec nous. Mère Nature décida dans un élan de générosité de clôturer celle-ci par un dernier acte. Moi aujourd'hui il a fait vraiment vraiment très chaud et je peux le dire, je crois que je suis l'homme le plus poissard du monde. J'apporte la pluie dans le désert.
Appelez-moi Malchance Man, ou comme vous voudrez. Au point où j'en suis, peu m'importe. Ouais. Dans les légendes navarro, la pluie était un symbole de renaissance. Les tribus amérindiennes pensaient qu'autrefois, chaque goutte de pluie était un présage des grands esprits, qui en ruisselant sur les terres arides, apportaient avec eux la fertilité et l'abondance sur le sol et les tribus qui l'occupaient. Des paroles aussi simplistes que sages, dans un monde où il nous reste tant à réapprendre. La pluie n'ayant pas entamé notre enthousiasme et nous permettant de passer la nuit au frais, nous décidons avec Karine que nous reviendrions au lever du jour pour admirer les premiers rayons du soleil venant baigner le canyon de Horseshoe Bend dans son incroyable lueur. Bon, ce matin, levé 5h, ça pique un peu, mais bon, faut bien ça. On part voir le lever de soleil de Horseshoe Bend. Cette fois, il n'y a pas grand monde dans le parc par rapport à hier. Hier, on était super nombreux, collés serrés, des bus de Chinois, des bus de touristes. Un petit peu dur le réveil, mais ça en vaut le coup d'œil. La lumière dans le désert le matin, elle est magnifique. C'est juste incroyable. 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 Allez. Les nuages de la veille ont enfin disparu. La pluie et l'orage ont laissé la place, aux premières lueurs du jour, dans une atmosphère beaucoup plus douce et chaleureuse que lorsque nous l'avons quittée hier. Ainsi, les premières lumières vinrent petit à petit sortir de son paisible sommeil, le Colorado serpentant au fond du canyon de Horseshoe Bend, pendant que nous profitons de cet instant pour nous prélasser dans la douceur de l'aurore. Comme nous, quelques courageux voyageurs ont profité de l'aube pour venir assister à cet incroyable spectacle. Un instant remarquablement divin, dans une ambiance comparable à celle d'une cathédrale, imposant le respect et la sérénité. Une douce parenthèse au milieu de ce voyage rempli de merveilles, avant de quitter l'Arizona pour partir à la découverte de la très célèbre Monument Valley. Avant de rejoindre Monument Valley, nous décidons de faire un crochet par le lac Powell. Long de 300 km quand son niveau est au plus haut et comportant plus de 3000 km de rivage, soit plus que toute la côte ouest du pays, on y compte pas moins de 96 canyons aux rochers âcres et rouges et de très nombreuses ruines amérindiennes. Quand le lac se porte bien, il peut faire jusqu'à 170 mètres de profondeur. Mais cette année, la région est confrontée à la pire sécheresse qu'elle ait connue, ramenant le lac à son niveau le plus bas depuis sa création en 1963. Le niveau du lac est tellement bas qu'il n'est plus qu'à quelques mètres du bassin énergétique minimal, le niveau minimum à partir duquel le barrage est capable de produire de l'électricité, menaçant ainsi fortement les populations locales, mais aussi la biodiversité présente dans toute la région. Bon, et bien après avoir fait Horseshoe Bend,
On se retrouve au lac Powell. Le lac Powell qui a pris un sacré coup. Quand on est venu il y a 3 ans, tout ça là, il y avait de l'eau partout. On se baignait jusqu'au grand rocher qui était dans l'eau. Et là, il n'y a absolument plus rien. Il y a une grosse sécheresse qui sévit sur le Colorado. Alors, il y a des plans qui ont été mis en vigueur pour pouvoir faire en sorte de faire remonter le niveau de l'eau. Et il me semble, de ce qu'il disait, c'est qu'il n'y avait pas eu... Le Colorado et le lac Powell n'avaient pas été aussi bas depuis 1960. Donc ça remonte vraiment à pas mal d'années. Et qu'il était à 20% de son niveau. Donc du coup, il y a 80% de baisse. C'est vraiment énorme. C'est juste dingue. Ça m'écœure un peu parce qu'on avait passé des bons moments ici. Et notamment un joli coucher de soleil sur l'eau, sur le rocher. C'était vraiment quelque chose d'assez sympa. Et là, on marche dans le sable. Il y a des coquillages partout par terre. Des arêtes de poissons. Le lac s'est complètement vidé. Vidé, quoi. Et là, je vais aller rejoindre Karine qui a quand même trouvé un endroit où il y a un petit peu de flotte. On va se mettre à l'eau parce qu'il fait vraiment, vraiment très chaud. Allez, bise. T'y arrives ? T'y arrives ? Doucement mais sûrement. Eh, si tu te mets à l'eau, elle est vraiment bonne. Hein. Elle est pas froide du tout. Hein. Ah, la soupe Marie. Ouais, je dirais plutôt une soupe miso avec un peu d'algues. Allez. J'ai pas eu. Après avoir profité d'un court instant de détente dans ce paysage aussi aride que lunaire, nous sommes tous fin prêts à mettre les voiles pour rejoindre l'emblématique monument de vallée. Un trajet de 200 km nous attend, pendant lesquels nous aurons pu tous profiter de la bonne humeur de chacun. Dis un mot à Yannis. Viens papa. Dis un mot à Yannis. Film. Film, mon Dieu. Et j'ai perdu mon petit cul. Et j'ai perdu ma... Qu'est-ce que t'avais d'autre déjà? Et j'ai perdu mon écharpe. J'ai fait couler ma bouteille sur le sol. Après 2 heures de route dans la bonne humeur, nous nous arrêtons non loin de la réserve indienne de Kayenta, à l'entrée du parc tribal de Monument de Vallée. Autrefois, le peuple des Navajos prospérait dans l'abondance et la sérénité. Aujourd'hui, ils essayent de perpétuer leurs traditions en fabriquant et en revendant aux touristes qui passent par ici des bijoux et autres fabrications artisanales afin de pouvoir faire vivre leur communauté dans un environnement où les épreuves qu'ils traversent sont particulièrement éprouvantes. Un peuple simple, terriblement timide, mais toujours souriant. Si un jour vous passez par ici, n'hésitez pas à vous arrêter pour partager avec eux un agréable moment et contribuer à la survie de leur tradition, chose dont ils ont particulièrement besoin pour continuer à avancer et à faire vivre leur culture. Bye bye. Thank you.
nouvelle journée pleine de découvertes touchait bientôt à sa fin, et nous quittons Monument de Vallée pour nous rendre 70 km plus au nord, dans la petite ville de Bluff, où nous attend une bonne nuit de sommeil. Jour après jour, les splendides couchers de soleil illuminaient notre route, nous accompagnant dans ce fabuleux voyage. Tandis que nous profitions de ce moment de détente, à quelques mètres à peine, un petit animal opportuniste s'était tapi dans les buissons, en quête de nourriture. Ce matin, nous nous réveillons au Recapture Lodge, dans la petite ville de Bluff. Ce motel particulier est une halte merveilleuse pour les amoureux d'aventure et de nature, venus en quête d'authenticité dans un cadre particulièrement singulier. Ici, les voyageurs peuvent prendre leur petit déjeuner, tout en regardant les colibris se désaltérer dans les petits réservoirs d'eau qu'ils ont installés dans le jardin, avant d'aller piquer une tête dans la piscine et de contempler leur fabuleuse collection de vieilles voitures. Doucement! Doucement. Tu vas me faire regretter de boire de la bière et d'avoir pris du poids. Allez, salut à tous. On se retrouve, on est à Bluff. Bluff qui se situe à environ une heure au nord de Monument de Vallée, qui est sur la route pour aller à Moab et Arches, Canyonland et tout ce qui se trouve un peu autour. Donc on est toujours dans l'Utah. Et puis on est arrivé à ce petit lodge à Bluff, qui s'appelle Recapture Lodge. Et franchement, moi, c'est un motel qu'on avait fait il y a 4 ans, que j'aime beaucoup parce que il est posé en plein milieu de la nature. Ils ont une conception quand même assez écologique de la vie. C'est-à-dire que de partout où on va aux États-Unis, eh ben, on trouve du plastique. Tout est conditionné dans les sachets en plastique depuis le départ. Chose qu'on n'a plus l'habitude en France. Hein. Maintenant, le plastique est un peu la bête noire et la chose à abattre. Donc ici, pas de plastique, pas de conditionnement. Tout est en verre, tout est naturel. Donc c'est vraiment cool. Ils ont installé pas mal de petits réservoirs d'eau pour les oiseaux. Et on peut déjeuner face aux colibris qui viennent se repaître. Mais voilà, chose assez incroyable et vraiment très agréable à regarder au petit déjeuner. Franchement, c'est super. Eh bien, écoutez, on se retrouve à Moab et Canyonland. Profitez bien. Couvrez-vous bien parce qu'il fait chaud. Je rigole. Et puis voilà, allez, à plus. C'est comme quoi ? Quoi ? Ça t'arrive pas souvent de pas de sourire. Nous serions bien restés flâner encore un peu, mais la route est encore longue et on se retrouve à Fort Bluff, le premier endroit occupé de la région. Fondé en 1880 par un petit groupe de Mormons, dont une cinquantaine de femmes, 180 hommes et plus de 20 enfants venus coloniser les endroits encore inhabités du sud de l'Utah, la durée initiale de l'expédition devait durer 6 semaines, mais ils mirent plus de 6 mois pour y parvenir. Ils partaient sans le savoir, dans un des endroits les plus accidentés, désertiques et inhospitaliers de l'Utah. Un aller sans retour, sur des chemins non tracés, vers une destination inconnue. Traversant monts et rivières, en passant du plus profond des canyons au grand plateau désertique, le fort de Bluff fut le premier bâtiment où s'installèrent les Mormons.
et aujourd'hui encore, on peut y retracer leur parcours. Une merveilleuse manière de rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui, par leur détermination et à la force de leur volonté, ont littéralement réussi à déplacer des montagnes. C'est ainsi que nous faisons nos adieux à la petite ville de Bluff pour nous rendre dans le parc national de Canyonland, à 150 km plus au nord, près de la ville de Moab. La route n'est pas très longue, mais les kilomètres avalés commencent à se faire sentir et nous en sommes maintenant à 2300 km effectués depuis notre départ de San Francisco. Les longues lignes droites de bitume n'arrangent rien, je commence à avoir du mal à garder les yeux ouverts, même si les paysages qui se succèdent sont plus sauvages et magnifiques les uns que les autres. Pour l'instant, on continue d'avaler du bitume en traversant l'immensité des territoires de l'Utah et en écoutant ma mère raconter ses histoires dont la plupart sont, comment dire, très étranges. Cible localisée. Ma mère, elle a un super pouvoir. Je sais pas comment elle fait ça, mais elle arrive à paralyser l'esprit de son interlocuteur sans que celui-ci ne puisse trouver d'échappatoire et se retrouve ni vu ni connu à sa merci. T'inquiète pas ma petite mère, on t'aime tous comme tu es. Si j'avais quelque chose à te dire, ce serait ne change jamais. À part deux, trois petites choses bien sûr. À notre arrivée dans les Canyonland, le ciel se fit de plus en plus menaçant. Des terres désolées dans une ambiance apocalyptique, un contraste incroyablement chaotique, nous donnant une fois de plus l'occasion de vivre un moment unique en son genre, dans un décor à la limite du réel et promettant de nous offrir une expérience inoubliable. Le plus gros de l'orage est à présent passé. Le tonnerre gronde encore au loin et quelques braves rayons lumineux ont décidé de transpercer les nuages, nous permettant une fois de plus de savourer ce somptueux spectacle comme jamais je n'en ai connu auparavant. Partout où que nous soyons, la pluie accompagne nos pas, comme une force invisible nous apportant fraîcheur et gratitude.
m'offrant à chaque fois l'occasion d'enregistrer ces instants uniques et mémorables, des souvenirs à jamais gravés dans ma mémoire. Cette journée fut pleine de rebondissements et aurait mérité de durer plus longtemps. Mais il est temps de retourner à notre motel pour enfin profiter d'une nuit de repos bien méritée. Ainsi, un nouveau chapitre se clôture pour qu'un autre puisse être écrit. Allez, salut à tous. On est bien arrivé à Moab dans l'Utah. Après 2 heures de route, c'était 2 petites heures hier. Donc pas trop de route, c'était plutôt pas mal. On a traversé plusieurs réserves indiennes. Et puis on se retrouve ici à Moab, qui est le point de départ en fait de nombreuses excursions, escalades. Le paysage est juste... La géologie du paysage, elle est incroyable. On a des espèces de canyons un peu partout, des façades en grès rouge, des pylônes, des colonnes qui s'élèvent de partout. Et franchement, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. C'est peut-être un de mes paysages préférés dans ce road trip-là. L'Utah offre vraiment un contraste incroyable, une palette incroyable de paysages différents et surtout lunaire, quoi. Hier, on est allé... à Canyonland, on s'est tapé un gros orage sur l'arche. On l'a vécu en direct, on était content. Donc voilà, là maintenant on va partir traverser le parc d'Arches, Arches National Park. L'entrée est payante, hein, comme tous les parcs américains. Et il vous faudra par contre un pass à l'heure pour celui-là, parce qu'il faut réserver sa place dans le parc pour faire en sorte de ne pas déranger trop la vie sauvage, ne pas se retrouver à trop de personnes sur le même site. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, comme concept. Ça permet d'éviter d'être surchargé au niveau des points de vue et des randonnées. Donc voilà, allez, je vous laisse et puis on va faire de belles images. Bye bye. Ce matin, on se retrouve donc à Arches National Park, à une dizaine de kilomètres seulement de la capitale des sports d'aventure, j'ai nommé Moab. Cet endroit pour le moins insolite doit son nom aux innombrables arches rougeoyantes comme la braise qui parcourent son territoire. Ici, on dénombre pas moins de 2000 arches, façonnées depuis 70 000 ans par le climat désertique et les fortes pluies qui, en balayant la région, ont laissé leur empreinte sur le paysage. Les premières traces de vie humaine dans cette zone datent d'il y a plus de 10 000 ans. Les Espagnols furent les premiers Européens à essayer d'occuper ces contrées sauvages et inhospitalières, s'en suivirent des Mormons qui, à partir de 1855, installèrent une colonie à Moab. Mais c'est sans cesse qu'ils furent repoussés par la tribu des Houthis, qui, emmenés par leur chef de guerre Black Hawk, menèrent de nombreuses batailles victorieuses. En 1890, le nombre de colons européens dans la région étant de plus en plus grand, les Houthis durent céder leurs terres après d'innombrables massacres. Ayant tant bien que mal survécu, la culture amérindienne est omniprésente dans les régions de l'Utah. Et c'est d'ailleurs au nom de la tribu des Houthis que l'Utah doit en partie son nom. Après avoir arpenté pendant quelques heures les différents points de vue du parc, il est déjà temps de reprendre la route. Et autant vous dire, elle est magnifique. Sillonnant à travers les colonnes de grès, traversant les nombreux dédales de roches dans un décor sauvage et inhabité,
je me laisse imaginer les difficultés rencontrées par les premiers colons à la conquête du Grand Ouest, parcourant les contrées encore inexplorées du Nouveau Monde, faisant face aux températures extrêmes et à la géographie abrupte de ces immenses territoires et aux tant d'autres obstacles qui durent surmonter au péril de leur vie. On se retrouve donc sur les routes désertiques du centre de l'Utah pour partir en direction de la petite ville de Layton, à 400 km d'ici, non loin de Salt Lake City. Sur notre route, nous trouvons une station pour le moins insolite, comme on en trouve seulement aux États-Unis. Un ovni au milieu de nulle part, à la frontière entre Star Wars et E.T., où l'on trouve toutes sortes de viandes séchées, dans une ambiance complètement décalée. Une fois de plus, les nuages s'invitent sur notre route en direction des contrées du Nord, sûrement rapportés par nos chants ne sonnant pas tout à fait juste, mais apportant un peu de gaieté à ce long trajet. Il est presque 21h quand nous arrivons à Salt Lake City et les paysages rougeoyants des déserts de l'Utah sont maintenant loin derrière nous. Peu à peu, nous nous rapprochons de Yellowstone et de la fin de notre périple. Ces 10 dernières journées furent riches en émotions, autant d'émerveillements que de découvertes, de rencontres chaleureuses et de leçons de vie. Les jours défilant à toute vitesse, je commence déjà à être nostalgique et à appréhender le moment où il sera temps de retourner chez nous et de retrouver notre quotidien. Les émotions se succèdent pendant que les couchers de soleil s'enchaînent et je ne peux m'empêcher de penser si seulement nous avions plus de temps. On se retrouve ce matin pour partir à la découverte de la réserve de bisons d'Antelope Island. Située à quelques kilomètres de Layton et à moins de 30 minutes de Salt Lake City, Antelope Island est un véritable havre de paix pour les amoureux de nature. Nichée au cœur du grand lac de Salt Lake, elle abrite pas moins de 700 bisons, mais aussi des antilopes et des milliards de moustiques qui, eux, attirent pas mal d'araignées. Petit conseil pour les arachnophobes qui auraient une envie pressante, vérifiez bien les toilettes avant d'entrer faire votre commission. Il y a vraiment des araignées par dizaines là. C'est un truc de dingue, toutes les néphiles, elles ont fait leur petit nid ici, je sais pas pourquoi. Oh, celle-là, franchement, mon Greg, si tu m'entends, voilà. Je les touche pas celle-là. Vous allez être super contente. T'as vu le nombre qu'il y a? Comme je vous le disais un peu plus tôt, Antelope Island est un véritable havre de paix pour les animaux. Ici, des centaines de bisons parcourent paisiblement la réserve à la recherche de pâturage. Mais l'île n'abrite pas seulement ces colosses à la fourrure châtaigne. Selon le niveau du lac, on peut y observer toutes sortes d'animaux qui chaque année trouvent refuge sur cette île, comme des lynx roux, des mouflons d'Amérique, des biches et des millions d'oiseaux. Autant d'animaux circulant librement sur cette île, comme on n'en trouve nulle part ailleurs. Mais si cet endroit si spécial se nomme l'île de l'antilope, c'est pour une bonne raison. Malgré le fait que l'animal le plus populaire du parc soit le bison, le véritable emblème de cette île, c'est l'antilope d'Amérique. Elle est le premier animal du parc à nous accueillir, et quel plaisir de pouvoir l'observer dans son environnement naturel. Un animal paisible, craintif, à la démarche, gracieuse. C'est la dernière survivante d'une grande famille qui, au cours du 19e siècle, a frôlé l'extinction. En 1929, il ne restait plus que 20 000 spécimens. Mais des mesures de protection établies en 1979 par le président Nixon ont permis la survie de cette espèce si fragile. Aujourd'hui, les populations d'antilopes prospèrent à nouveau, portant leur nombre à plus d'un million d'individus. Un animal que je n'aurais jamais connu si l'espèce s'était éteinte et dont je suis fier d'avoir croisé la route.
Pendant que nous étions tranquillement en train de filmer les antilopes, une large silhouette brune apparut au loin. Foulant d'un pas décisif les pâturages dorés d'Antelope Island, je m'en approchai avec prudence pendant qu'il observait le moindre de mes mouvements. Pour ne pas perturber sa tranquillité de ma présence, je dus me mettre à l'abri d'un des rares rochers posés dans la plaine, afin de pouvoir continuer à l'observer en toute quiétude, sans prendre le moindre risque. Partagé entre la crainte et l'émerveillement, je vivais là un de ces moments uniques, une rencontre merveilleuse face à cette force de la nature, quelques mètres à peine nous séparant l'un de l'autre, le temps d'un instant m'accordant toute sa confiance, pour que je puisse m'en souvenir toute une vie. M'offrant une petite fenêtre où les secondes sont toutes importantes et où chacune d'entre elles n'a pas de prix. Sa démarche lente et son aspect massif me tenaient en respect. Pendant que je l'observais à travers mon objectif, ce fut le premier bison que je pus approcher dans cet endroit magique, un moment précieux que je n'oublierai sûrement jamais. Tant de kilomètres parcourus pour atteindre cet objectif. Moi qui rêvais de nature dans ce long voyage, je fus plus que bien servi, m'offrant à nouveau des séquences incroyables, comme un cadeau d'adieu alors que nous devons partir. Notre aventure pour rejoindre le parc national de Yellowstone touche bientôt à sa fin. Ces 11 dernières journées furent riches de découvertes et d'émotions, et ont quelque peu émoussé mes compagnons de voyage. Après tout, c'est bien normal. Après avoir traversé plus de 3000 km de ces paysages magnifiques qu'étaient la Californie, le Nevada, l'Arizona et l'Utah, on se retrouve sur la route pour rejoindre la ville d'Ashton dans l'Idaho, à 50 km de l'entrée ouest du parc de Yellowstone. Les jours défilent à toute vitesse, nous rapprochant de notre but, mais aussi de la fin de ce voyage grandiose. Et même si je suis triste que cette aventure touche bientôt à sa fin, quelque chose me dit que les 5 prochaines journées s'annoncent magiques.